Attends, hein, j'allais quand même pas vous laisser finir 2020 sans un dernier numéro du Jog. Le Jog épisode 8 qui arrive tel un cadeau impromptu, c'est la guillotine à saucisson que ton oncle t'offre à Noël. C'est utile, c'est drôle. Est-ce que tu le mettrais sur ta cheminée? Peut-être pas, en tout cas, je sais pas. Le numéro 8 est là, c'est un condensé de bonne humeur et de news électro-techno. Installez-vous confortablement, on prend le plaid, on met du chocolat chaud avec de la cannelle devant le Pôle Express parce que c'est un putain de film de Noël. Et en tout cas, kiffez bien. Le Jog épisode 8, c'est parti! On se fout dans le bain direct, rien à foutre de l'hydrocution, avec une version retravaillée de la track Nightclubbing de Four Horsemen. Le titre est très bon, si ce n'est meilleur qu'avant, et on est toujours dans son univers, très sombre, très dark, et EBM, comme dans la première version. Free Download pour EDS sur Falsive avec la track A Glimpse of Afterlife. C'est très très costaud au niveau rythmique et par-dessus il y a plein de mélos et plein de synthés qui s'entremêlent et qui ont été rajoutés pour au final rendre un truc qui est vraiment pas dégueu. Des putains de lignes mélodiques acides, bordel. C'est ce qui nous attendait à coup sûr s'il y avait une collab entre Nobrak et Le Man. Et bien c'est le cas sur le morceau Équivocation. Voilà, comme d'habitude, c'est carré, c'est clean, c'est estampillé qualitatif à coup sûr. Et ça c'est la Team Recollection. À ça, on s'y trompe pas. Nico Moreno a remixé la track The Seventh de David Temesi et pour ça il est parti dans un bail totalement acide, donc c'est très original et très cool de le voir s'aventurer dans ce registre là parce que c'est pas du tout son créneau l'acide, il a pas du tout l'habitude de faire des acid lines, d'aller chercher dans les 303 et croyez-moi, il s'en sort plutôt pas mal le Normand. Remix très épicé de la part de Pet Duo pour la track Full Disclosure de Link. Ça déconne clairement pas, il y a de l'acide, il y a des touches rêves et il y a une volonté d'aller très très vite. Et ça, crois-moi, le Dodan, tu le prends à 50. Hein. Là, il n'y a pas de zone 30. Là, c'est 60-70. On nous mentirait ? Je pense que la société capitaliste nous ment. Nouvelle EP pour Under Black Helmet et c'est sorti sur le label catalan X. Alors à l'intérieur on a un remix de Lorenzo Ragandini et Paulo Ferrara. Ça sort en vinyle et il y a aussi une track bonus sur la version digitale. Je vous ai sélectionné la track Lose Something to Gain Everything qui fait partie de ce projet là, avec une techno bien vénère, limite indus, mais qui reste quand même mélodique. Et ça niveau mélo c'est carré pour vous faire kiffer. Le jeune duo René Madora a sorti son premier EP sur le label Rave Alert. 4 tracks dont un remix du Padre Eccentric. Il y a des grosses mélos et des grosses cadences dans chaque son. Pour un premier projet, c'est vraiment, vraiment bien abouti. Et on va entendre parler d'eux encore longtemps, croyez-moi. Et je peux vous dire d'ores et déjà de sources sûres qu'ils sont en train de bosser sur un remix pour Diane. Electric Riscus fait place pour la Scriptum 50 à venir le 15 janvier prochain en invitant notamment Zadig, Scanix, Lars Swissman, Anechoic, Cuss, Dispal et bien d'autres. Ça sort en vinyle et en digital, ça va être juste incroyable avec notamment le remix d'Homewell qui est ouf avec une acid line calée sur un rythme briqué pour donner un côté old school qui est juste incroyable. Et ça c'est le genre de son que t'as envie de jouer dans un club intimiste, il est 5h du mat, tu vois rien, les gens ils sont en sueur, c'est ouf, t'as envie de caler la track avec 8 autres morceaux en même temps, c'est... La VA concrète est enfin dehors avec une grosse line-up. Amertume, Bollman, Kunz, Hashtaga, DJ Sonameister, Versus et bien d'autres sont présents sur le projet. On retrouve aussi une track de Louise qui est très très cool en mode industriel et mélodieuse avec une recette que seul lui maîtrise en fait. Donc vous savez quoi, vous lui envoyez un max de DM, je vous mets son Insta juste ici et vous lui demandez « Mec, quelle est ta recette pour tes pads et tes ambiances ?» Parce que là, on a besoin de savoir. Là, ça suffit, il faut qu'on sache. Le crew berlinois Cineputzen a sorti une VA de 13 titres avec notamment Tillman Riddle, Unconformist, Ya, Moss, Opposition, Sound of Suicide, mais surtout SHWR. Il y a eu un gros coup de cœur sur cette track qui s'appelle Red Snow et c'est ouf, c'est putain de bien cadencé, il y a des grosses mélos, c'est magnifique et il y a du gros taf derrière tout ça. L'agence Racebooking lance sa première VA au prix symbolique de 1€.
Pour composer la tracklist, Lisa, Umbred, Istel, McDoclo ou encore Lakezy. Et personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la track de Clinical Hate qui va tout simplement tout en douceur, tout en groove. The Above Records sort une VA en mode digital et CD et pour l'occasion, ils ont invité Rebecca, Kipsec, Jofar, Echoes of October, D-Carbon ou encore McCornick. Et putain, la track de Rebecca. Oh Rebec, tu nous as fait une track là, c'est solide de ouf, c'est incroyable, l'acide est complètement taré, c'est dingo, c'est ouf. Cassie Raptor tout en vitesse dans son set pour Boiler Room avec Dollar Techno bien évidemment. Quelques pépites old school qui ont été placées ça et là, mais ça reste toujours dans la lignée rave. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder le reportage qui a été tourné sur elle par la Village Web. Au final, moi, les sonorités un peu dark, c'est vraiment ce dans quoi j'ai évolué. Donc c'est là qu'est ma zone de confort. Gros kiff pour le set de Schoolboy Cute pour Vox Nox, une sélecta incroyable, complètement éclectique, impossible de s'y retrouver au niveau des styles. En tout cas, on passe par plein de vibes et plein d'humeurs différentes tout au long du set. C'est pas le set le plus rapide que j'ai entendu, mais en tout cas, c'est peut-être un des plus cools. Le duo derrière Taro Record, Siret, a lâché le 6ème podcast pour Mindcut. Alors là, on est sur une montée en puissance tout au long du set. On passe encore une fois par plein de vibes et plein d'univers différents. C'est très bien construit et il y a des putains de pépites à l'intérieur. Il y a des sons incroyables. Le duo de Manchester A&D se sépare, le groupe a décidé de splitter avec Andrew qui va se focus sur sa vision perso de la musique, tandis que Dimitri continuera de faire perdurer le nom A&D à travers le monde et d'honorer les dates pour égaler les fans. Je voulais mettre un petit shout-out à la chaîne Turtle Corporation qui vient juste de se créer. Le concept est très simple, ils invitent des artistes à produire un son en une heure à partir d'ensembles qu'ils ont choisi parmi trois thèmes. Il y a déjà eu Wast et Homicide, Protein Papy et Rains ou encore 440 Hz qui sont passés. Il y en a pour tous les goûts, il y a de tous les styles, il y a de la techno, il y a du rap, il y a du break. Donc c'est très très cool pour l'instant. Il y a trois épisodes qui sont sortis, donc je vous invite à soutenir la chaîne. Je vous mets le lien en description. Donc en tout cas, gros courage à eux et grosse force aux Turtles du 3-5. Ah, c'est trop moche. Interzik a lancé sa plateforme pour aider les artistes méconnus du public à sortir des sons et à gagner en visibilité. Il y a trois styles représentés, la Tech House, la Techno Indus et l'Acid Art Trance. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur SoundCloud parce qu'il y a des putains de pépites à découvrir, comme par exemple SPXD. Le label irlandais Wanderlust lance sa ligne de vêtements avec pour le moment des t-shirts et des hoodies, 24 balles le t-shirt, 45 balles le hoodie. Donc si vous voulez porter les couleurs du label irlandais dans des modèles sobres et épurés, le lien est en description. Nouveau Drop Exile à l'occasion de la sortie de la première VA dont je vous parlais dans le précédent jog, 35€ le t-shirt, 65€ le hoodie. Dépêchez-vous d'aller choper votre merch parce que c'est toujours, toujours sold out sur ce site. On fait aussi les gossips ici avec Ayarkana et Remco Big Wilder qui sont devenus papa. De petits bébés, voilà, c'est trop mignon. Félicitations à vous, profitez bien de la paternité, continuez quand même à produire. Et puis bah nous on se revoit en club très prochainement avec le Lando comme ça au caisson de droite. Voilà. On a beaucoup vu ABLK et UNM dans le studio ensemble. Alors est-ce qu'ils préparent une track, un EP, un LP, on sait pas. Est-ce qu'ils mangent une frite fricadelle ensemble? En tout cas, les deux là, il faut les surveiller de près. Nouvelle adresse pour le club Lanterne à Beijing, c'est la troisième adresse en 11 ans d'existence du club. Donc là, nouveau spot avec plusieurs salles dont notamment une qui s'appellera la voûte sombre. Donc l'acoustique a totalement été refaite et les proprios ont choisi un Function One. Les Bandcamp Friday continuent en 2021. Je vous avais expliqué le principe, c'était d'enlever les fees vendeurs que Bandcamp prélève sur chaque vente et de donner l'intégralité de la vente au label et aux artistes pour les soutenir en ce temps de crise. Et donc ça aura lieu en février, mars, avril et mai 2021. Faut savoir que Sinopé qui a quand même rapporté sur les 9 vendredis de 2020 plus de 40 millions de dollars de transactions. L'ancienne usine automobile Packard de Détroit est actuellement en vente.
Faut savoir que dans les années 90, le spot était déjà utilisé pour faire des raves illégales. Actuellement, il y a un gros projet sur la table. L'idée, ce serait de faire un complexe qui réunirait un trésor comme à Berlin, des restaurants, de quoi héberger les visiteurs internationaux, des studios d'artistes, mais aussi des espaces de divertissement. Donc voilà, est-ce que le projet va aboutir, on sait pas. En tout cas, le projet est bel et bien sur la table. L'agence Hyperactive lance Bubble Club en février 2021. L'idée est très simple, vous êtes par groupe de participants via Zoom et vous partez à la recherche d'une rave illégale. En cours de route, vous allez trouver des intrigues et des situations à gérer. Une fois que vous avez trouvé la rave, vous accédez à des sets d'Alternate, de Sacha, d'Alan Fitzpatrick ou encore de Wookie. Tous les sets sont retransmis en direct et ne seront pas archivés ni publiés sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est un concept qui est très cool, qui allie à la fois l'expérience rave et l'expérience théâtrale. L'artiste tunisienne Serakin a récemment lancé le compte Instagram Techno Mental Health afin de soutenir la sensibilisation à la santé mentale et au développement personnel au sein de la communauté techno. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou, dont on parle pas souvent. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur son compte Instagram, qui est vraiment bien fait. Raise awareness and share some different topics and ideas and subjects about many ways how to improve our mental health on a daily basis. PNK a récemment publié un teaser avec des images du Grand Palais en affirmant que ça serait le prochain lieu d'une expérience musicale à vivre avec eux. Donc que va-t-il se passer? Sûrement un event, en tout cas, pas plus d'informations pour le moment. Il faudra suivre ça très près. Trim sortira In The Air en mode trans remix sur Techno Germany le 25 décembre prochain. On a le droit à un très court teaser qui laisse présager d'un clip réalisé par Technographer. En tout cas, c'est très cool, c'est un très beau cadeau de Noël et vous pourrez regarder ça entre deux coupettes et un petit morceau de foie gras. Lorenzo Papinho aura sa première parution vinyle sur Scuderia en janvier prochain. C'est une VA qui regroupe notamment Luciano Lamana, Seidem ou encore Satronica et ça c'est très très italien tout ça, c'est Linguini, Farfalle. Ableton 11 arrive en 2021 avec plein de nouveautés, notamment la fonction assemblage, la possibilité d'éditer les pistes liées en même temps pour modifier le contenu en simultané, Note Chance pour notamment prédire la prochaine note ou le prochain kick, Velocity Chance pour ajouter un côté plus humain aux modulations de variation. Vous avez aussi plein de nouveaux presets avec les quatuors, les cordes, les pianos ou encore les textures, donc ça c'est très cool. Et plein de belles choses à découvrir dans Ableton 11, la version d'intro à 79€, vous avez la version live standard à 349€ et Ableton Live Suite à 599€. Noisy d'Expressive E est enfin là, on avait eu un aperçu lors du dernier NAM, mais là c'est bon, c'est officiel. En gros, c'est un synthé qui exploite le phénomène de résonance et qui crée des sons modulables. L'idée c'est que vous pouvez tout moduler. Des presets de base aux textures en passant par les effets audio qui sont fournis, notamment la disto, la reverb, tu connais. Vous l'avez à 149€, mais grâce au code SOUND jusqu'au 31 décembre, vous l'avez à 89€40. Fuse Audio Lab présente son nouveau préampli, c'est un VPRE 31A des années 60 avec notamment 4 transistors germanium. C'est chambé niveau aspect visuel au niveau du design, des textures et de la disposition des éléments. Vous retrouvez le VUMET, le ON-OFF, le gain ou encore l'inverseur de phase. Et ce petit bijou est seulement à 19$. Soundforce dévoile la nouvelle version de son contrôleur MIDI SFC60. Donc c'est une réplique parfaite du VST TAL. L'idée c'est de pouvoir contrôler en temps réel TAL UNO LX avec ce contrôleur. La version 2014 c'était pas trop ça, donc ils ont travaillé avec les développeurs afin d'avoir la meilleure version possible. Au niveau des matériaux, c'est hyper quali, c'est de l'acier, c'est du noyer, donc chapeau, vraiment c'est hyper quali. Donc si vous êtes à fond sur TAL Bassline et que vous avez envie voilà, de faire joujou avec un contrôleur MIDI, eh bien vous pouvez, sachez qu'il est au prix de 349€. Voilà pour ce 8ème épisode du Jog, j'espère que vous avez kiffé. Moi la nuit me fait chier à tomber de plus en plus tôt. C'est un enfer à gérer au niveau des lumières, donc vraiment je suis désolé pour ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche aussi, comme ça vous êtes là au prochain numéro du Jog. Si vous voulez que je parle de vos actus et de vos news, lejogvideo@gmail.com, comme ça bah, je peux checker ça et puis ça sera toujours un plaisir d'en parler dans le prochain épisode. Passez d'excellentes fêtes de Noël et du jour de l'an. Voilà, on se redit à l'année prochaine, je vous dis déjà mes meilleurs voeux. Voilà, donc faites gaffe à vous. Pas d'alcool au volant, ça c'est mort, ça c'est dead. Faites gaffe avec le Covid, prenez soin de vous, de vos familles. Moi je vous dis à la prochaine. Brossez-vous bien les dents avant de dormir. Ciao.